Salut, c'est Boisdin et je vais vous parler de la sortie de la rentrée, le nouveau Titeuf, le 15e album de Titeuf. Et ouais, déjà 15. Impossible que vous soyez passé à côté parce que justement vous êtes passé à côté partout, au supermarché, à la supérette, chez le marchand de journaux ou peut-être que vos grands-parents vous l'ont offert parce que eux aussi ils l'ont vu partout cet album. À la caisse du supermarché ils se sont dit « Tiens, le nouvel album de Titeuf, oh, ça fera plaisir à mon petit Kevin ou à ma petite Georgette !» Si tu t'appelles Georgette, désolé, je te soutiens, mais quand même un gros pouce vers le haut. Déjà 25 ans que Zep a créé ce personnage de BD franco-belge Titeuf. C'est presque mon âge, j'ai grandi avec. Ah, et si t'es déjà en train de taper en commentaire « Oui, c'est pas un album de BD franco-belge parce que Zep, il est suisse !» Sache que tu as tort car c'est plus compliqué que ça, la BD franco-belge a une histoire, c'est pas juste une BD faite par un français ou un belge. En gros, c'est une BD francophone, éditée par un éditeur belge ou français. Mais si tu veux connaître toute l'histoire, et bah je t'ai simplement mis le lien de la page Wikipédia BD franco-belge en description, lien que les gens qui ont critiqué ma dernière vidéo sur Titeuf que j'avais fait avec le chef, rappelez-vous, on avait d'ailleurs pas trop aimé l'album d'avant, article Wikipédia, donc que les gens n'ont pas lu, hein. Pourtant c'était pas compliqué de taper BD franco-belge avant de poster votre commentaire, parce que j'en ai eu au moins 50 de gens disant « Oui mais c'est pas une BD franco-belge !» Voilà, fin de cette parenthèse. Comme je viens de le dire, le 14e album, on l'avait pas trop aimé, hein, c'était Bienvenue Adolescence. D'ailleurs, je vous mets le lien de cette vidéo avec le chef Otaku en description. Mais ce sera mon seul point de comparaison, parce que j'ai du mal à me souvenir des albums précédents, des 13 d'avant. Parce que déjà, il y a eu un gros moment entre le 13 et le 14. Donc j'avais pas lu Titeuf depuis des années. Là, il s'est encore passé un an et demi, deux ans, entre le 14 et le 15. Donc c'est un peu flou dans ma tête. Et bah du coup, je vais faire une autre parenthèse. Parce que tous les gens de mon âge, ou à peu près, ont grandi avec Titeuf. On a tous lu Titeuf. Et on en a un souvenir nostalgique, agréable, ce qui est vachement bien. Mais trompeur, si je vous dis Titeuf, vous allez me parler du dessin animé, vous allez me parler du gag où il met du caca dans un papier de journal, et puis qu'après il sonne chez quelqu'un, et puis la personne elle l'écrase, et puis il y a de la merde partout. Vous allez me dire, oui mais Titeuf, c'est un peu... Et ça je déteste, des gens qui vont comparer leur jeunesse à Titeuf en disant « Ah Titeuf, ça c'était moi, ça c'était ma jeunesse !» Et pas du tout. Personne ne ressemble à Titeuf, personne n'a été comme Titeuf, personne n'a fait ce que Titeuf a fait, c'est un personnage de fiction. Il l'a toujours été, c'est un gamin naïf, et c'est une excuse pour Zep pour parler de plein de sujets, que ce soit sur la famille, sur l'actualité, sur plein de sujets de société, mais en vrai Titeuf il est débile, il y connaît rien à rien, et tous les autres personnages, la maîtresse, ses amis, etc., sont là pour répondre, ses parents, sont là pour répondre aux questions naïfs que se pose cet enfant, mais en vrai, personne n'est aussi naïf et débile. Donc avant de faire cette vidéo, j'ai pas relu tous les anciens albums, j'ai pas pris le temps de le faire, donc je vais juger cet album de Titeuf uniquement sur celui-là, sur celui d'avant, et sur l'espèce de souvenir que j'en ai, même si j'ai essayé de me freiner par rapport à ça. Parce que, comme je l'ai dit avant, on a tous un souvenir nostalgique de Titeuf, mais c'est hyper trompeur. On était jeunes, on a adulé Titeuf, il y avait sûrement des gars qui étaient maladroits, je m'en souviens pas. La série télé, en vrai, elle est pourrie. C'est pas juste. Le film, il est pas top. Je crois qu'on le reverra plus. Mais attendez, pour que ce soit plus clair, parce que moi aussi je me perds dans ce que je suis en train de dire, hein, parce que je suis en train de parler et réfléchir en même temps devant la caméra, je vais vous parler de Pokémon. C'est la même chose qu'avec Titeuf, on a tous un souvenir de Pokémon bienveillant. On est tous là, tous les gens de mon âge à peu près, à dire « Oui, Pokémon, personne n'égalera la version rouge et bleue, et la première génération de Pokémon, ils étaient tous super beaux, c'était les plus classes, là maintenant c'est n'importe quoi les nouveaux Pokémon. » Ou au pire, il y a des gens qui disent que la seconde génération, voire la troisième, ça allait encore, mais là tout le monde dit « C'est n'importe quoi, ils sont moches, tous les types machin, fées et tout, c'est n'importe quoi. » Mais en vrai, objectivement, les derniers jeux Pokémon sont les meilleurs. Il y a plein de nouveaux trucs, le système de combat est beaucoup plus évolué. Il y avait des Pokémon moches dans la première génération, je suis désolé, Lipoutou. Voilà, Monsieur Mime, bon il était drôle, mais Monsieur Mime quoi, sac de nœuds, Porygon, gros tas de morve. Et là je suis sûr que tu comprends ce que j'essayais de te dire par rapport à cette nostalgie bienveillante, donc je ne vais pas juger cet album de Titeuf par rapport à cette nostalgie parce qu'elle est trompeuse. Et je vais essayer de faire court. Donc, 15e album, 25 ans, toujours édité chez Glénat. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet album de Titeuf? J'avoue que je l'ai acheté en ayant comme souvenir donc celui d'avant que j'avais pas trop aimé là, qui était une promesse pas tenue par rapport à l'adolescence de Titeuf. Je m'attendais à voir Titeuf ado et finalement non. Et en plus c'était une histoire complète, il n'y avait pas de gag, mais elle était mal construite. Elle était construite autour de plein de petits gags qui s'enchaînaient et avec des rebondissements un peu pourris. Enfin voilà, on n'avait pas aimé le dernier album. Et là, Titeuf est revenu dans une formule que je préfère. Ce sont des gags. Il n'y a pas d'histoire, c'est pas une histoire complète, c'est des gags. Il y a quelques gags qui se répondent. Il y a un petit fil rouge où Titeuf veut inviter Ramatou à un rencard. Pour rappel, Ramatou, c'est ça, on va dire, la nouvelle...
la nouvelle amoureuse de Titeuf, hein, parce que d'ailleurs ça c'est bien, Nadia n'est plus l'amoureuse de Titeuf. Ça fait 2-3 albums qu'il parle de moins en moins de Nadia, et là elle est quasiment inexistante, attends, je dis quasiment, mais en gros là Titeuf a les yeux rivés sur Amatou, et c'est elle qui veut inviter, c'est elle dont il est secrètement amoureux, et c'est vachement bien parce que ça veut dire que Titeuf évolue, et heureusement qu'en 25 ans Titeuf évolue. C'est un peu ce qu'on avait critiqué dans l'album précédent, on avait dit qu'il évoluait pas assez, mais sur ce point là, en tout cas sur ce point là, il évolue. Par contre, il grandit pas, hein. Il a toujours la même taille, il a toujours le même âge, voilà. Malgré que j'étais pas chaud à l'idée de lire cet album, je l'ai acheté sur un coup de tête à la gare avant de prendre un train, par curiosité plus qu'autre chose, eh bien je l'ai lu dans le train, je l'ai lu d'une traite assez vite, c'est un album classique franco-belge, donc à peu près 48 pages, j'ai pas vérifié, mais ça doit être à peu près ça. Eh bien ça m'a beaucoup plu, cet album m'a beaucoup, beaucoup plu. Ma curiosité a été récompensée alors que mon attrait pour Titeuf depuis l'album d'avant, même depuis quelques années, s'est étiolé parce que je grandis et que Titeuf c'était un truc quand j'étais gosse, et bah cet album était vachement intéressant, même pour moi en tant qu'adulte. Car justement on sent le Zep qui a fait plusieurs trucs avec Le Monde, là je sais pas si vous connaissez sa BD Le Monde selon Zep, où il traite de sujets d'actualité avec humour et toujours en bande dessinée, selon lui c'est un peu sa vision du monde, mais c'était un truc qui était toujours très centré sur l'actualité, et toujours un peu poétique, un peu vrai, touchant et drôle à la fois, enfin si vous avez jamais lu ça je vous le conseille vraiment. Et dans cet album de Titeuf, dans ce 15e album, on retrouve ce Zep là qui parle de plein de sujets d'actualité. Je sais pas si c'était comme ça avant dans Titeuf, c'est pour ça que je vous ai parlé au début de cette nostalgie, etc. Parce que j'arrive plus à me souvenir de gags précis, à part des trucs débiles qui m'ont fait rire parce que j'étais petit. Mais Titeuf a toujours, en tout cas, Zep a toujours traité avec Titeuf de sujets plus ou moins sérieux, d'adultes, la famille, le sexe, etc. À travers ce personnage naïf qu'est Titeuf. Bah là, c'est le cas, mais il traite des sujets très très d'actualité et très chauds. Genre l'avortement, c'est chaud quand même l'avortement, le complotisme, ouais le complotisme qui revient ces dernières années, grâce à internet notamment, avec les gens qui pensent que la Terre est plate, les Illuminati, les extraterrestres, les hommes lézards. Mais aussi du harcèlement scolaire, notamment via les réseaux sociaux, via internet, et du coup aussi de nouvelles technologies, mais pas en mode vieux con. Ouais les nouvelles technologies c'était mieux avant, on savait communiquer pour de vrai, machin, etc. Pas comme Moby là. Il parle aussi de terrorisme et de politique. D'ailleurs, la politique, il y a un gag, je vais vous le raconter, tiens, je vais vous spoiler que un gag ou deux. Titeuf se présente comme délégué de classe et ensuite il fait campagne dans la cour de récré et va voir tous ses potes pour leur promettre des trucs juste pour qu'ils votent pour lui. Et des trucs forcément, comme en politique, c'est ça un peu la critique, des trucs qu'il pourra pas faire, comme doubler le ratio de mayonnaise à la cantine. Si c'était que ça, si c'était que dire en sous-texte que oui, les politiques ils nous mentent, ils respectent jamais leurs promesses, bon, ça serait pas très original, ça serait déjà vu. Mais à la fin, quelqu'un lui dit, ouais, faudrait que t'ailles frapper le gros, alors je sais plus comment il s'appelle, un enfant beaucoup plus âgé, un adolescent qui embête les enfants, qui les raquette ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est un mec plutôt costaud et bien plus grand que lui. Il lui dit, si tu vas le frapper, je vote pour toi. Titeuf y va, il lui donne un gros coup de pied dans les couilles, et ensuite il se fait défoncer. Il revient avec la gueule en sang en disant « Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour remonter dans les sondages ?» Et Manu lui répond « Tu es tombé bien bas. » Du coup, c'est pas hyper recherché, mais c'est bien fait, parce que via Titeuf qui met réellement, physiquement, un coup bas à quelqu'un, Zep dénonce qu'en politique, c'est coup bas et compagnie, et que c'est à celui qui fera le plus parler de lui, le plus le buzz, peu importe que ce soit en bien ou en mal, mais il faut absolument qu'on parle de moi. C'est bateau, mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé dans la dernière élection, et j'imagine que ça a beaucoup inspiré Zep. Et Zep traite tous les sujets d'actualité que j'ai cités avant, comme ça, via Titeuf et sa naïveté, il fait des erreurs, il pose des questions, et du coup nous adultes on voit de quoi il parle, on voit un peu le sous-texte qui est pas, attention j'ai pas dit que c'était ouf, mais il est là, il est présent, mais un enfant de 8-10 ans ne le verra pas mais rigolera parce que bah, Titeuf lui a donné un coup de pied dans les couilles, c'est rigolo. Tout ça pour dire que tout ce côté, tous ces gags sur l'actualité m'ont beaucoup plu et sont plutôt intelligents, mais rassurez-vous il y a aussi des bons vieux gags de Titeuf, il y a un gag sur les transports en commun qui se finit avec un prout, le prout, le caca, oui, et même tous ces gags là plus légers sont vachement bien parce que Zep a toujours globalement bien manié cette poésie du quotidien, cette poésie de la vie un peu brute, absurde. Par exemple, un gag que j'aime beaucoup, qui m'a touché, et promis, c'est le dernier que je spoil, c'est un gag où en gros il dit, avec plusieurs exemples, que les adultes nous mentent toujours quand on est enfant. Et ils nous mentent pour plein de trucs, à un moment on voit qu'il lui demande, en voyant une feuille de cannabis, c'est quoi sa papa, en voyant un sex shop, c'est quoi sa papa, et à chaque fois, bah, le parent, que ce soit le père ou la mère, lui répond, bah, un mensonge.
parce qu'il est petit, qu'il ne va pas savoir c'est quoi un sex shop, il ne faut pas lui expliquer c'est quoi du cannabis. En gros, il nous explique dans ce gars que les parents nous mentent pour nous protéger tout le temps. Quand on est petit, en fait, les parents n'arrêtent pas de nous mentir. En plus, maintenant que je suis papa, je me rends compte que je vais devoir le faire. C'est des questions qu'un jour on va me poser, enfin que mon fils va me poser, et je vais devoir faire pareil. Ou adapter, enfin, je vais devoir aussi mentir à mon enfant pour son bien, pour le protéger. Et lui, Titeuf, il essaye de faire passer à son père comme excuse, pour une mauvaise note, le fait qu'il avait pas de crayon. Et son père l'engueule et lui dit, mais attends, tu te fous de ma gueule, tu mens là. Et Titeuf nous dit que les parents, ils sont vraiment pas sympas, parce que nous, quand on est petit, on fait semblant de les croire, on sait pertinemment qu'ils nous racontent des mensonges, et que les parents, ils pourraient faire aussi cet effort envers leurs enfants, et nous laisser mentir de temps en temps, mais ils ne le font pas, et ils sont pas sympas. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé ce gag très, très beau, très vrai. Et je vais arrêtez là, j'en ai suffisamment dit, en plus je vous ai spoilé 3 gags. Pour le reste, lisez-le, selon moi il vaut le coup, ce 15e album de Titeuf. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas lu, dites-moi si je vous ai donné envie de le lire. Mettez un gros pouce vers le haut, mettez un commentaire pour dire n'importe quoi d'autre, par exemple pour me dire que vous aussi vous trouvez Lipou tout moche, ou vous aussi vous subissez cette nostalgie par rapport à Titeuf. Bref, lisez des BD, lisez Titeuf et mangez des frites.